Hey, hey, hey! Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du DK Challenge. Non, on n'a pas de téléphone! Nous retrouvons donc Pierre Nard de Saint-Paul et Joséphine de Saint-Paul qui viennent d'avoir une petite fille, Louise de Saint-Paul, première-née de la famille de Saint-Paul. Oui, je dis beaucoup de Saint-Paul. Bonus, vous me dites à combien de fois je l'ai dit dans l'épisode. Et si vous gagnez, eh bien, spéciale dédicace. Bref. Donc nous voilà retournés dans la vie 1880, l'époque rude. Une époque rude pour toutes les femmes et pour les hommes qui travaillaient la terre, le bois, et tout ça, pour gagner la vie, leur vie. Et les femmes qui faisaient que s'occuper de la famille et de la cuisine, enfin de la maison, quoi. La petite Louise est bien sage pour l'instant. Et c'est tant mieux parce que. Mais les parents, ils vont être réveillés à 5 h du mat. Ils ont vraiment la vie dure, les pauvres, quand même. Waouh! Allez, tous en cœur, on se relaie. Tous en cœur, tellement tous en cœur. Oh, il veut s'occuper de sa fille. Oh, c'est mignon. Changer la... Vas-y, on va le laisser faire. Allez, juste une fois. Juste une fois. En plus, regardez-moi ce boule. Et on se dit, oh, bah dis donc, au moins un homme en avance sur son époque, puisqu'il s'occupait déjà de sa fille. Toi, ok, tu vas prendre une portion. C'est parfait. Oh, il va bercer sa fifi. Ah. Ah, mais il la kiffe, hein? Ah, zut, il la nourrit. J'aurais préféré que notre amie Joséphine la nourrisse, l'allaite directement. Bon, en tout cas, c'était le seul écart accepté. Quelle boule! Ouah! La suite, ce sera à Joséphine de s'occuper de la famille, quoi. Quelle Lexi, just pulled journée up. vous attend, mes enfants? Et elle repleure. Ah oui, elle a la couche sale. Oh là là. Oui, Louise, t'inquiète pas, on va s'occuper de toi. Bon, on est quand même pété de thunes, hein? 8 000 simflouzes. C'est plutôt très très bien. On va pas se mentir. Après, tu pourras remanger tes tacos au tofu. Elle en peut plus, Joséphine. Elle est méga méga heureuse. Et elle atteint la compétence 2 en éducation. Voilà, s'occupe de sa fille. C'est très bien. Mon Pierre Nard. Ouais, tu pourras aller après fertiliser le petit buisson. Te laver. Non, pas les dents. Pas tout de suite. Plutôt les mains. Parce que quand tu viens de toucher ton kiki, on se lève les mains, hein. Et après, tu pourras t'atteler au boulot. Arroser. Faudra arroser tout ça. À moins qu'on en... Non, on va laisser Joséphine le faire. Hein. Joséphine, elle va manger. Elle va se laver les mains et les dents. Et pendant que la petite, elle est encore. Voilà. Quand elle sera bambin, je pense que Joséphine ne fera plus du tout les tâches du jardin et compagnie. Mais effectivement, en attendant, on va le faire. Wow, Pierre Nard, tu as la classe. Tu as grave la classe. Ouais, on va laisser ça parce que après, si elle prend trop la place du lavabo, Pierre Nard, il pourra pas faire ce qu'il doit faire. Donc continue de manger. Ouais, hein, Joséphine. Puis après, tu iras faire le jardin. Alors, Joséphine, elle est en train d'arroser. Et j'essaie de déterminer, voilà, faire évoluer toutes les plantes que Pierre Nard va pouvoir faire évoluer ensuite. Bon, pour l'instant, ça n'a pas poussé. 26 pièces! C'est pas non plus. Voilà, on avait greffé, ouais, on avait fait les greffes. Du mufflier, de la fraise et du mufflier. On va commencer à greffer du coup.
Alors sur la greffe, on va greffer du muflier. Ouais, et on sait... Ah si, muflier. Mais si tu peux, allez, greffer, muflier. Stabilité sentimentale. Comme ça, on va pouvoir commencer à faire des petites fruits du dragon. Donc, on va attendre que ça pousse en fruits du dragon. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, mon gars, mon gars, mon gars. Non, 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 non. Hors de question que tu fasses la vaisselle. Tu vas fabriquer un meuble. Oh my god, mais il y en a plein! Oh, miroir! Étagère murale, guéridon, miroir, pot de fleurs. What? Décoration murale. Mais what? Ah mais tu vas me faire tout ça. Tu vas me faire tout ça. Mais c'est jardinière. Ah non mais alors c'était meuble. Miroir. Ah oh ouais. Pot de fleurs. Siège, tabouret, ça on l'avait déjà. Eh, tu vas me faire deux miroirs parce que moi je suis un peu fan des miroirs. Je vous le dis. Bon, le téléphone on n'en a pas. Oui, merci, c'est gentil. Allez. Pas d'icounier non plus, hein. Joséphine, ensuite tu vas faire la vaisselle. Bon ça va, Joséphine n'a pas trop de tâches pendant que la petite elle dort. Pour l'instant, ça va. Tranquille et mille, hein, comme j'ai envie de dire. Et Pierre-Nard, j'ai hâte de voir ce que tu vas nous faire. Joséphine, il lui faut pas grand-chose pour être heureuse, hein. Voilà. Louise, elle dort. C'est parfait. Écoute, tu vas, dans ce cas-là, faire pipi comme une championne. Toi, t'as envie de faire crac-crac dans le buisson. Bah voyons, il y a de l'agitation dans le buisson. Faire crac-crac et Pierre Nard. Hé, elle est obsédée, hein, la petite, hein. Ok, d'accord. Je vais vous refaire faire des bébés. Y a pas de problème, hein. On va pas rester avec une fille, hein. Il nous en faut quelques-uns quand même pour avancer. Ah, et pour avancer à la prochaine décennie, donc c'est quand Louise deviendra enfant et pas bambin, hein, donc enfant, où là effectivement on pourra avancer d'une décennie. Et donc on aura plus d'accès à quelque chose. Bref, on aura plus. Oh, j'y arrive pas. On aura plus d'accès à de nouvelles choses pour améliorer le quotidien de la famille. Bah écoute, oui, ma belle. Tu peux lire, t'as raison. Tant que ta fille, elle hurle pas, ça va. L'objet en bois, ah, c'est des cœurs. Mais non. Pierre Nard, il fait des cœurs. Pierre Nard, c'est un sentimental. Oh, c'est trop mignon. Et elle est en train d'essuyer le jardin. Non, mais. Bon, alors voilà, laissez faire, hein, si ça l'éclate. Donc il n'y a plus rien à évoluer ici, ça n'a pas poussé pour l'instant. Bon, bah, très bien. Après tu pourras quand même te laver les mains, ma belle. Voilà. Ça y est, Louise. C'est pas... Après je préfère que tu la nourrisses plutôt que tu lui parles parce que je pense qu'elle a faim. Et hop, un petit peu de boops. Oh là là, mon Dieu, je donne le sein à ma fille. Oh, je suis tout émoustillée. Tu vas la bercer, tu vas la dodeliner, tu vas faire une grimace et tu vas lui parler. Je pense que comme ça, tu seras bien contente. Toi, tu aimes énormément. L'objet en bois, t'as terminé. D'accord, c'est une étagère comme ça. Ah, mais c'est sympa. On va pouvoir mettre ça au-dessus de la cuisine et tout. Mais oui. Après, vous inquiétez pas, hein, la maison va s'agrandir. Hein, parce que là, on a 8000 Simflouzes. Quand Louise sera bambin, on sera obligé de commencer à créer une autre pièce pour faire un peu la chambre. Alors, soit la chambre des parents, soit la chambre de la petite. On verra. Pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. Alors, Pierre Nard a fini sa jardinière. Donc, effectivement, c'est une jardinière classique. Je pensais que ce serait qu'un objet nouveau, mais non. Mais au moins, c'est Pierre Nard qui l'a fait. Et rien que pour ça. Ça vaut le coup, quoi. Voilà, c'est du fait main, vous voyez, il y a la passion. Il y a la passion du fait main. De l'artisanat. Français, s'il vous plaît. L'artisanat français. Ouais, je pète un câble. Tout va bien, tout va bien.
Alors Pierre Nord nous a terminé sans miroir maintenant. Et entre-temps, j'ai fait reproduire les grenouilles. Donc je vais les vendre. J'en vends 2 sur 4, évidemment. Sinon, on ne peut plus les reproduire entre elles. Joséphine avait une grenouille. Ah bah oui, parce que je l'ai fait tout à l'heure. Ah, il va avoir besoin de distraction, Pierre Nord. Ouh, la fifille! Fifille! Fifille, elle pue! Fifille, elle pue, attention! Oh là là! Changer d'âge, serré dans les bras. Viens là, ma belle! Change la couche. Puis toi aussi, il va falloir changer la couche, hein, parce que tu pues. Ouais, je l'ai emmené, enfin, je lui ai fait faire un petit jogging. Compétence 3 déjà, rien qu'en faisant ça! Eh bien, non, vous êtes pas exigeant dans les Sims. Hein. Hop, je sens que le lavabo va céder, il va bientôt casser parce que on l'utilise beaucoup, beaucoup trop. Mais en attendant que Pierre Nard puisse faire, faire la baignoire, quoi. Pour l'instant, il peut faire plein de choses, mais pas la baignoire. Donc pour l'instant, on peut pas prendre de bain. On sera obligé de faire sans, hein, c'est pas très grave. Hein. Pour l'instant, on a ce qu'il faut à la maison. C'est très standard, mais... À l'époque, ils n'avaient pas tous la baignoire et la douche. Ah ben voilà, il est en tout cas, il n'est pas cassé, mais il est dégueulasse. Bah, tu pourras nettoyer juste après. La vache! Il est en compétence 8, Pierre Nard. C'est hallucinant. Moi, je vous dis, on va avoir des meubles qu'il va falloir... Ah mon Dieu, ça y est, il est cassé. Je vous l'avais dit! Je vous l'avais dit qu'il serait cassé. On va avoir des meubles qui vont être gavés de... Gavé dessous quoi. C'est pas grave ma belle. Dès que Pierre Nard il a fait ça, on va le réparer. Bah ouais. Voilà. Vous avez déjà vu quelqu'un nettoyer un évier qui est cassé et en train de fuir? Ben vous avez Joséphine. Ah, de l'eau à essuyer. Ouh, j'adore ça. Ouais, elle kiffe, hein. Elle kiffe nettoyer. Elle kiffe. Mon Pierre Noir, Pierre Noir. Pierre Nard, dépêche-toi de finir ton petit objet, qu'on voit ce que ça donne, qu'on améliore la maison avec ça. Et puis c'est pas mal. Ouais, il m'a refait un miroir. Bon, il a pas l'air GG le miroir quand même. Je dis ça, bon. Allez, dépêche-toi de nettoyer tout ça, de réparer plutôt. Elle lit, mais après elle pourrait essuyer. Ah, il l'a fait en 2-2. Mais en même temps, le bricolage, il maîtrise le gars, quoi. Tu maîtrises, Pierre Nard, c'est beau. C'est beau de voir un homme travailler. Non, non, mais t'inquiète. T'inquiète. Va faire ton pipi. Nettoie-toi les mains juste après et puis les dents, c'est pas mal. On va être bien, il est 17h. Ça va. Joséphine, elle est un peu... Vas-y, va nettoyer, Cocotte, quand même. Tu crois quoi? Ça va se faire tout seul? Louise avait les réveillés. Elle aura besoin de se laver aussi. Voilà, bonne. Elle fait tout ce qu'il faut. Ça va commencer à faire faim un peu aussi. Tu vas ranger ça. On va ouvrir. Oh, elle est chiante la Hélène là, franchement. Tu vas appeler à table. Tu commences à puer un petit peu, Joséphine. Juste un petit peu. Pierre Nard. Ok. Il lit. Oh, il lit plus. Ah si, il est. Goubou, mangez. Voilà. Non, lui préfère son livre. Mais... On t'a dit de manger, Pierre Nard. Allez, vas-y, fais pas ton enfant. Oui, tout dans ses états, lui. Tu te sers. Voilà, moi, je range. Vous discutez, peut-être. Tu vas flatter. Oh, mon homme, mon mari, vous êtes magnifique, mon cher. Vous êtes le plus beau, le plus fort de tout le quartier de Newcrest. Mentir sur la carrière, ben non. Complimenter la tenue, oui, bah oui, t'as qu'à faire. Bon, alors, moi, du coup, est-ce qu'il peut fabriquer un nouveau meuble? Non.
Mais on va voir ce qu'il a fait tout de suite. Regardez-moi tout ça. C'est quoi, c'est un pot de fleurs? Ah ouais, d'accord. Ouais, on va mettre ça sur le porche. Bon, et c'est un peu moche, hein, mais... Mince, je m'ai gouré. C'est pas ce qu'il y a de plus joli. Mais c'est Pierre Nard qui l'a fait, donc voilà. La jardinière. Ok, bon, on va la vendre. L'étagère en bois. Bon, pareil, hein, c'est pas vraiment le bois de la même couleur que tout ce qu'on a mis, nous. Je vais mettre ça comme ça, là. Ah non, peut-être... On va mettre au-dessus du frigo. Ah, on avait... Oui, c'est vrai, la table. On va en vendre qu'une. 315, tac. Les cœurs, moi, j'ai trop chouchou. On peut les mettre sur la cheminée, non? Voilà, on va mettre la maison de l'amour. On va mettre ça là. On sait pas, c'est... Pff, on peut pas les mettre. Voilà, on va mettre ça là. Et les miroirs. 350 simflouz, on va en vendre un. Ah ouais, ils sont grands quand même. Ah, du coup, je peux pas les mettre au-dessus de l'évier. Puis on a tellement de fenêtres. Je sais pas où le mettre. Maintenant, on va le garder dans l'inventaire et puis... Et puis c'est bien, on va pas se prendre la tête. En tout cas, oui, il a bien travaillé. Je suis fière de toi, Pierre Nard. On peut tout là. Je sais pas. Ouais. C'est pas très grave en même temps. Donc je suis fière de toi, Pierre Nard. Tu as très très bien travaillé. Je pense qu'on va te faire... va te redemander de faire... des miroirs, parce que c'est vraiment pas mal au niveau de la revente. Tu peux te vanter de tes biens. Et elle va lui faire un peu de gringue, un petit peu, quand même. Oh, je t'admire, Pierre Nard. Mon mari. Vas-y, envoyez un baiser. À mon avis, ça va déclencher des envies, tout ça. Il se la pète un peu, il se la raconte quand même, hein. Smile, Zorpohitch. Waouh. Et vous êtes amoureux ou pas, les enfants? Oui, vous êtes amoureux. Bon, on mange surtout... Ah, voilà. Voilà, ça s'aguiche, ça s'aguiche, hein. Allez. Tac. J'ai envie de dire, maintenant qu'on en a un, on peut en avoir deux. Ah ouais, allez, c'est parti. Bon, ma Louise, elle s'est réveillée juste au moment où... Juste au moment où... Où ils sont émoustillés. Bon. Voilà, hein. Bah Louise, tu vas attendre juste un petit peu qu'ils finissent ce qu'ils doivent faire et puis tiens, tu vas allaiter et bercer, voilà. On est obligé, hein, on est obligé de s'occuper des enfants, on est obligé. On peut pas faire autrement. Allez. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop là. Oh, tu pues, ma belle, hein. Pierre Nard. Non, non. Pierre Nard, tu te remets là, s'il te plaît. Tu vas te laver les mains, un petit peu. Pierre Nard est demandé à l'accueil. Le nuage nauséabond que Joséphine emmène avec elle est quand même particulièrement magnifique. Bon, alors Pierre Nard, il s'est dit non, mais c'est bon, là. Louise, elle nous a dérangés, on n'a pas pu s'éclater comme on veut. Si tu veux, on vient, on va dehors. Et puis, ce sera plus sympathique. Tu viens, on va dehors. Oui, yeah, trop la balle. Alors, autant elle se rhabille pour aller dehors, mais Pierre Nard, non. Oh bah non, allons-y gaiement, allons-y en pyjama, quoi. Allez, attention. Hop là, petite claque sur les fesses.
Et voilà. Il faut que j'accélère un petit peu le... l'acte. C'est swell. Qu'est-ce qui va pas, mon petit? Séance de crack médiocre. Oh, il est pas satisfait. Bah oui, mais il y avait Louise qui crie à côté. C'est franchement pas GG, hein. Oui. Et bah tiens, toi, tu vas dormir, du coup. Ma belle, toi, tu pues de ouf. Donc, tu vas faire tout ça, puis après, tu vas faire pipi là où tu viens de faire crac-crac, c'est logique, et tu te laveras les mains. Ouais. Elle sait plus quoi faire, la pauvre. Elle a trop d'action en même temps. Le pipi, ouf, ça fait du bien. Et hop, le petit lavage de main. Ouais, tu t'es vraiment tout juste, hein, Joséphine. Faudrait pas te pousser un peu plus, là. Ok. Bon, et ben moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. Et regardez ce que je vois. Ta-ta-ta-ta-ta! Bébé numéro 2 en route. Oui, mais non, mais moi j'ai des prédictions, elles sont toujours réelles quand on a les deux petites flèches rouges. C'est que c'est bon. Et donc, pour le prochain épisode, je ferai en sorte d'avoir le nouveau bébé. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un message, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!